Est fermé. Et voilà. J'ai eu chaud. Ok. Wow. Bon sang, gamin. Oh, Victor, voyez-vous ça? C'est l'animal nuisible qui vous a volé votre portefeuille. Laisse tomber, t'as aucune chance. Allez, donne-nous le disque. Et la bague? Quelle bague. Catherine! Pour qui est-ce que tu te prends, petit? Tu n'es rien de plus qu'un misérable mendiant couvert de grâce, indigne de toucher ces objets. Non mais ça va pas, vous êtes folle, c'est qu'un gamin. Arrêtez-le! Arrêtez le gosse! Bordel! Il a la bague! Tu peux pas filer! Arrêtez le gosse! Bordel! Il a la bague! Enfonce cette porte! Oh non! Il va vers le toit! Trouvez-le! Il y a une chaîne, casse-la! Vite! Lâche-moi! Merde! Merde! Mais c'est qui ces types? Viens par là! Le voilà! Merde! Mais c'est qui ces types? Ici, petite ordure! Ça suffit maintenant! Ah! Tue-le!
Et il me tire dessus ? Regardez ça. Ah. Ça va ? Pourquoi tu trembles ? Là, ferme les yeux. Ça fera pas mal. Tu peux te détendre. C'est un lieu sûr. Mange. C'est toi qui vois, si t'en veux pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Un peu de gratitude, déjà. Je t'ai quand même sauvé les fesses tout à l'heure. Merci. Mais vous y gagnez quoi ? Enfin, vous êtes un escroc. Vous devez avoir un plan. T'es vraiment pas un calot, gamin. D'où tu viens, au fait ? Écoutez, je suis désolé, mais je vous connais même pas. Je me présente, Victor Sullivan. C'est à ce moment-là que t'es censé te présenter, toi. D'accord. Si tu me disais plutôt ce que cette bague a de si spécial. Elle appartient à ma famille. J'ai fait que la récupérer. Bague transmise par Francis Drake lui-même. Exact. Je suis désolé de te l'apprendre, petit, mais Drake n'a eu aucun héritier, aucun enfant. Ouais. Pas avec son épouse en Angleterre, en tout cas. Ok, pas faux. Fais voir ça. Allez, petit, si j'avais voulu te la prendre, elle serait déjà à moi. Merci. Qu'est-ce qui est écrit ? Parvis ma... Sic parvis magna. Ou, la grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Ah oui ? En fait, la reine Elisabeth lui a donné en 1581.
à son retour d'une expédition autour du globe. C'est alors qu'elle l'a fait chevalier. T'as pas appris ça dans la rue, ça c'est sûr. T'es un peu jeune pour parler le latin. Les nonnes ont insisté pour que j'apprenne. Ah, donc t'étais en pensionnat. On peut appeler ça comme ça. D'accord. Alors, pourquoi cette bague et l'astrolabe de tout à l'heure sont si importants pour toi ? À vous de me le dire. C'est vous qui travaillez pour eux. Écoute, quand un client veut quelque chose, je lui obtiens et il me paye. Je pose aucune question. C'est qu'un boulot. Vous aviez l'air d'être amis ? Oui, enfin, si tu veux mon avis, je suis viré. Ok, bon. Pour commencer, c'était pas un astrolabe. C'est une sorte d'appareil à décoder. Regardez ça. En faisant le tour du monde, Drake a navigué autour des Indes. Seulement voilà, il dit qu'il lui a fallu 6 mois pour aller d'ici à ici. Ouais, et alors ? Alors ça tient pas. C'était un excellent marin, ça aurait dû lui prendre 1 mois, maximum. Il cachait quelque chose d'important. À quel point ? Au point d'être en mission secrète pour la reine. Ça se chiffre en millions, des tas de pièces d'or et des bijoux qui n'ont pas encore été découverts. C'est à ce point. C'est pas rien. Exactement. Et ce décodeur peut permettre d'y accéder ? J'en mettrai ma tête à couper. Ah, super. Et c'est Marlowe qui l'a. Ça lui servira pas à grand chose sans la clé. Alors on est à égalité. Pour l'instant. Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais. Et vous m'avez toujours pas dit ce que vous attendiez de moi. D'accord. Bon. T'as du talent. Mais t'as les choses à apprendre. Reste avec moi et je t'apprendrai les ficelles. Merci. Mais je me débrouille très bien tout seul. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce que tu dirais de reprendre à zéro ? Mes amis m'appellent Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hein ? D'accord. Je nous prédis un brillant avenir, mon ami. Très brillant.